papier dans mes. Gagner deux facultés d'odontologie, gagner un seul qui gagne droit à faire formation. Gagner deux facultés de pharmacie, gagner un seul qui gagne droit à faire formation. Gagner une école de sage-femme. Gagner près de 174 l'école qui a formé infirmière que nous recensons. Mais au niveau du ministère, là, c'est 83 là-dedans qui gagne un papier reconnaissance. Vladimir Larsen dresse ici un tableau de la formation dans le domaine de la santé en Haïti. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le taux de réussite aux examens d'État à l'intention des infirmières. Anessa, nous organisons l'examen et dans le cadre d'examen qui est organisé, il y a 4195 candidats qui participent à l'examen et gagné 1172 qui réussissent, qui bat nous à peu près 28% de résultats de score. Mais il faut comprendre tout, gagner en réalité par rapport avec l'institution qui a formé mon institut. Faire fonctionner le système de santé haïtien, la construction de bâtiments est certes importante, mais il faut aussi et avant tout des ressources humaines de qualité. Pour faire face à cette carence en formation, l'État haïtien à travers le ministère de la Santé publique veut prendre ses responsabilités. Des mesures de redressement seront bientôt appliquées, annonce Dr. Larsen. Anessa, ministère l'Empral, a travaillé pour que l'y fait sortir profil tout professionnel qui est a formé ici. Deuxièmement, à partir du profil là, nous supposons qu'il y a un programme qui est standard, qui répond à normes et qui est en conformité avec le profil. Nous fait sortir aussi manuel de reconnaissance, ça veut dire que il y a un côté qui dit mais comment pour un monde faire institution et mais qui gens pour le ministère reconnaître. Si vous n'êtes pas satisfait avec ça, nous sommes désolés, nous sommes capables d'aller l'avant. Des dispositions qui imposent une remise à niveau des facultés de médecine haïtienne pour obtenir le renouvellement de leurs accréditations avant 2023. En attendant l'entrée en application des mesures gouvernementales, la ruée vers les écoles d'infirmières et les facultés de médecine se poursuit. Des jeunes voulant faire des études supérieures continuent de recevoir des formations au rabais et envahissent les hôpitaux haïtiens. La Fédération mondiale d'éducation médicale fait de nouvelles exigences aux facultés de médecine et de pharmacie de l'UEH. D'ici 2023, certaines facultés ne seront plus accréditées à l'étranger si leur niveau de formation n'est pas standardisé. Des facteurs comme la recherche, les nouveaux cours, le stage hospitalier doivent être pris en compte. La faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH est-elle prête à se conformer à ces nouvelles normes? Que pensent les étudiants de ces facultés? Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Paul Léel. Ils formaient des petits groupes sur la corde de la faculté, soit pour étudier ou pour discuter. Certains étudiants en médecine ne sont pas bien informés des nouvelles exigences de la Fédération mondiale d'éducation médicale, ECFMG, qui demande que le niveau d'études soit mis à jour. D'autres sont bien imbus de la situation. Dans les deux cas, ces étudiants se montrent déjà inquiets au cas où, qu'après leurs études, leur diplôme ne serait pas valide. Bon, ça t'a dit que c'est un président. Cette exigence concerne le monde entier. Il s'agit d'un test d'équivalence qui permettra à un médecin diplômé en Haïti de faire une spécialisation et de travailler aux États-Unis. Mais pour passer cet examen, il faut que la faculté soit accréditée et mette à jour sa qualité d'enseignement. Cependant, seulement 4 facultés de médecine en Haïti peuvent avoir cette perspective, dont la FMP. En effet, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, Jean-Claude Cadet, explique que le cursus académique est révisé. Ça, c'est le curriculum. Son bail qui est simple, c'est qui j'en apprenne mon médecine là, nous pouvons le mettre au niveau moderne pour un système de relais, l'approche pour compétences. Et pour ça, nous pouvons le revenir moderne. Si le délai est jusqu'au 2023, le doyen se donne jusqu'au 2021 pour se conformer aux exigences internationales. En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université de Montréal et l'Université Laval, une commission est mise sur pied pour faire cette réforme. Un travail qui coûtera au moins 50 000 $ US. Le doyen Jean-Claude Cadet se dit prêt à réaliser ce projet qui a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la ligne de l'accréditation. Parce que quand une université aussi sérieuse, l'Université de Montréal, l'Université de Laval, se mettent avec la UF qui est l'agence
universitaire de la francophonie pour nous appuyer dans ce programme, c'est que nous avons déjà montré non seulement notre capacité de rentrer dans le système que nous demandons, nous avons des cours que nous faisons, nous avons des building là, nous avons mis le laboratoire à un niveau. Donc, nous sommes dans le processus. C'est un processus long. Nous avons déjà monté une cellule spéciale qui est dirigée par le docteur Charit Rémou. Donc, tout ça, nous avons pris des dispositions. Ces nouvelles exigences faites par le CFMG ne sont pas un drame, rassure le docteur Cadet. C'est un processus normal par rapport à l'évolution du monde. Cependant, si seulement 4 facultés sont en mesure de parler de cette mise à jour, le moment est venu de jeter un coup de projecteur sur la faculté de médecine qui pousse un peu partout en Haïti, comme des champignons. L'avenir de la plateforme Pitié-Dessalines paraît de plus en plus hypothétique. Après la scission entre les différentes tendances de la plateforme, la dissidence au sein du directoire et plus près de nous, le scandale de chèques liés au financement des partis politiques, la structure dirigée par l'opposant farouche au pouvoir en place semble être sur le point de connaître de nouvelles turbulences. La frustration des militants apparaît comme une bombe à retardement. Et quand ces derniers se livrent à micro fermé, cela laisse présager d'une crise qui risque cette fois d'enterrer définitivement le regroupement de Moïse Jean-Charles. Mais l'ancien candidat à la présidence préfère ignorer cette situation et continuer d'exprimer son désir d'aller jusqu'au bout, le principal slogan de son parti. Moun qui t'a parlé, qui t'a critiqué, nous, yo, c'est qu'on ne comprend pas mon barrière. C'est que moi, je fais chèque. La plateforme qui s'est installée de réunir, nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagage, chèque ça, mon cap dit, puisque ça nous prend chèque, c'est toi qui as fait le monde. Je connais bien même son modèle dans le pays. Nous besoin d'être l'unique avec un pilote pour notre communauté pour nous montrer son modèle. Les noms disent oui, c'est oui, non, c'est non. Chaque salle va être dans le même mètre. D'accompagnant dit, il va au courant. Avocat avec le docteur Abian qui fait le chèque. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Préparez. Nous avons écrit tout le monde dans le pays. Hein? Pour l'autre monde pas autorisé, venir vers le compte banque de la CAIO. Parce que le compte banque, le monde ne va pas déposer le chèque dans l'eau. Deuxièmement, le monde ne va pas venir avec le chèque. En la plateforme de Petit Desalines. Deuxième bagaille, nous te sommes très bien. Sommation, la possibilité de faire good clean. Jusqu'à ce que la justice, c'est eux-mêmes qui va décider, sommes très bien, qui va se faire un cas de chèque, que nous-mêmes ne pas autoriser pour ça. Et nous te réunis, nous avons un travail qui a fait. Jusqu'à ce que nous expliquions ce qui est bien en la plateforme de Desalines. C'est seulement un coup politique à mon ordre. Ça, c'est un complot pour déstabiliser nous, pour te casser Marifio. Heureusement, Marifio est ici quand même. Et dans le cas ça, nous n'avons pas besoin d'attaquer nous dans ça. Je dis à travers chaque là, nous avons des gens qui voulaient écraser nous. Ça qu'a fait là, c'est pour briser Petit Desalines pour aujourd'hui. Oui. Haut état-major de l'armée d'Haïti. Aucun de ses membres ne s'est rendu coupable de violation des droits de l'homme ou de trafic de drogue, assure le ministre de la Défense, Hervé Denis. Dans le cas particulier du colonel Jean-Robert Gabriel, accusé d'implication dans le massacre de Raboto en avril 1994 au Gonaïves, le ministre dit disposer de documents indiquant que ce dernier a été blanchi. Par ailleurs, M. Denis a fait savoir que chacun des membres de l'état-major va recevoir sa commission prochainement dans le cadre d'une cérémonie. Hervé Denis a assuré que le processus de remobilisation des FADH allait se poursuivre. Célébration ce lundi des 41 ans d'existence du Parti national démocratique progressiste d'Haïti.
À cette occasion, une messe d'action de grâce a été chantée à l'église Saint-Louis, roi de France. Par ailleurs, les membres de cette structure politique ont réitéré leur engagement à poursuivre sur la voie de leur leader Turnep Delpé, décédé l'an passé, et à agir en faveur de la tenue d'une conférence nationale qui libérera le pays de la crise, a affirmé le coordonnateur du parti, Elinaire Cadet. Turnep Delpé est venu à l'idée de conférence nationale, là, mais immédiatement, il est venu lancer l'idéal, il est venu par le patrimoine national. Et c'est ainsi que nous-mêmes, dans le PNDPH, qui est un membre fondateur MOPOD, nous toujours été solidaires à tout ça que le docteur Turnep Delpé a prôné pour la conférence nationale. D'où c'est ça fait une bonne bagaille que PNDPH et MOPOD ne peuvent pas rentrer là-dedans. Parce que nous croyons dans celle bagaille qui pourrait tirer le pays d'Haïti. La situation liée à côté de là, c'est un grand chita et parler avec quel que soit secteur, quel que soit monde, nous pas exclure crasse monde. Tout le monde a place là-dedans, mais c'est peut-être ça pour nous bailler pays à une orientation. Tout problème qu'on a gagné, grève à droite à gauche, professeur pas qu'à toucher, docteur a fait grève. Et marchand marché à bouler, yo pas qu'à dédommager. Mais si tu as gagné un plan social qui a été par le pays pour 20 à 30 ans, et idem tout que nous connaissons, là on a parlé de démocratie, démocratie c'est la dictature de la loi. C'est loi ça que nous allons appliquer pour nous dire, même sous temps de Odou, il y a l'argent américain. Et c'est l'argent national qui est dans le pays. Mais si pas une orientation, un grand plan que vous faites pour le pays, nous ne pouvons pas aucun côté, tout est à virer, en rond. De temps en temps, le pays va entrer dans tout le pays. La plateforme Vision pour Haïti pour le monde, via MO, a présenté le bilan de ses réalisations 14 ans après sa création. Cette structure religieuse évolue notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Le pasteur Jeannot Hérisé annonce que le Viamo va organiser son traditionnel congrès pour marquer cette date. Vision pour Haïti et pour le monde, depuis 14 ans, l'y gagne une mission que l'a été. Pour que nous nous réveillons, pour que Haïtiens suspendent chercher la vie dehors. Parce que quel était le problème en République dominicaine, non? Quel était le problème du côté de Bahamas, du côté de Chili, du côté de nous gagner? Il y a une migration, il y a un problème. Et je parle à tout Haïtien, je parle à la jeunesse haïtienne pour me dire ça. L'homme pour verre de l'eau, mettez de l'eau, le moment de la rempli. Donc, départ massif vers Chilien, ou bien Haïtien qui a quitté le pays, qui est prêt à prendre. Humiliation dominicaine, son seul bac expliqué. C'est qu'en Haïti, nous ne sentions pas bien. En termes d'activité, nous travaillons dehors, nous tournons à l'étranger, Bahamas, Canada et en République dominicaine, nous préoccupons la situation d'Haïti. Mais pour activité spécifique via MO, gagner grande croisade que nous avons gagné, on est tout le monde, activité phare, ça nous perdu, ça nous a battant, nous n'avons pas gagné perdu parce que nous saluons tout le monde, nous disons tout le monde joyeux anniversaire dans 19 mois. Mais ça qui est essentiel, c'est que nous sommes au cœur de la capitale et en ça, les renforcements institutionnels, nous avons des connexions que nous avons fait pour nous retoucher base, nous, pour que nous disions. Qui ça pour nous faire, qui vision, qui ça nous gagne, qui j'en a battu nos objectifs pour que mission nous gagne pour nous accomplir la gloire au but. Dans l'international, l'homme fort de la Russie a été réélu avec plus de 76% des voix, alors que l'opposition a dénoncé plusieurs irrégularités au cours du scrutin. La participation s'est élevée à 67,4%. Sans surprise, Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie avec près de 76,7% des voix, selon des résultats quasi définitifs.
portée par les vastes efforts déployés par le Kremlin pour mobiliser des électeurs à se rendre à une élection dont l'issue ne faisait aucun doute, le taux de participation s'est élevé à 67,4%. Lors du point presse du président tout juste réélu, notre correspondante à Moscou lui a demandé ce qu'il comptait faire après l'empoisonnement de l'ancien espion russe au Royaume-Uni. La Russie ne possède pas de tels agents innervants. Nous avons détruit toutes nos armes chimiques sous la supervision des organisations internationales et nous l'avons fait les premiers. Ce n'est pas comme nos partenaires qui avaient promis de le faire, mais qui malheureusement n'ont pas tenu leurs promesses. Donc nous sommes prêts à coopérer, nous sommes prêts à prendre part aux enquêtes nécessaires. Et pour cela, il faut que l'autre partie en exprime le désir. Or, nous ne le voyons pas pour l'instant. Mais nous ne retirons pas notre offre. Des efforts conjoints sont possibles. Je pense que toute personne sensée comprendrait que ce serait du grand n'importe quoi pour la Russie de s'embarquer dans une telle escapade à la veille de l'élection présidentielle et de la Coupe du Monde de football. C'est absurde. Vladimir Poutine a par ailleurs jugé ridicule l'idée qu'il puisse de nouveau être candidat en 2030 en raison de son âge. Il a également confirmé qu'il nommerait son prochain Premier ministre après sa cérémonie d'investiture. Les alliés traditionnels de la Russie se sont félicités lundi 19 mars de la réélection du président Vladimir Poutine, tandis que les Occidentaux se sont montrés beaucoup plus réservés, rappelant leurs nombreux points de discorde avec Moscou. C'est presque devenu une habitude, Vladimir Poutine, seul face à la foule de ses supporters réunis sur la place Rouge. Une ovation pour une victoire d'une ampleur sans précédent, 18 ans de pouvoir malgré les milliers d'irrégularités dénoncées par l'opposition. On le disait imbattable, sans réel opposant, le scrutin l'a prouvé, même le taux de participation est en hausse par rapport à 2012 puisque près de 2/3 des électeurs ont pris part au vote. Selon les résultats quasi définitifs, il a réuni sur son nom 76,6% des voix, 56 millions d'électeurs, bien plus que l'objectif des 70% que s'était fixé le Kremlin. Révélateur de son hégémonie sans partage, le Parti communiste, deuxième parti du pays, ne passe pas les 12%. Il est suivi par l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski avec 5,66%. Quant à Xenia Sobchak, la candidate libérale, elle réunit 1,6% des suffrages. Seuls les alliés traditionnels de Moscou ont salué sa victoire, les chancelleries occidentales. Sont-elles restées muettes à l'exception de l'Allemagne qui, via le porte-parole de la chancelière, a évoqué les différences d'opinion, notamment sur l'Ukraine ou la Syrie. Plus de 55 millions d'électeurs ont choisi un nom qui leur est familier. Contrairement aux appels au boycott d'Alexei Navalny, les Russes ont pris part à l'élection et la participation est finalement plus élevée que lors du précédent scrutin. Galina Polonskaya, Euronews, Moskva. C'est historique. Xi Jinping pourra rester le président de la Chine à vie. Les députés ont plébiscité la suppression de la Constitution de la limite de 2 mandats de 5 ans. Il est plus que jamais l'homme fort de la Chine. Sans surprise, Xi Jinping a été réélu pour un second mandat de 5 ans. Et c'est la main posée sur la Constitution qu'il vient de modifier pour pouvoir régner sans limite de temps qu'il a prêté serment devant les quelques 2970 députés du Palais du Peuple à Pékin. Aucun d'entre eux n'a osé voter contre sa réélection, ni même s'abstenir. Unique candidat, Xi Jinping assoit un peu plus son autorité. Il a nommé un de ses fidèles, Wang Qishan, au poste de vice-président. Expert en économie, ce dernier pourrait devenir le nouvel interlocuteur de Washington alors que les deux pays se livrent une bataille commerciale. Wang Qishan a été aussi l'un des artisans de la lutte anticorruption menée par Xi Jinping et perçu par ses détracteurs comme une manœuvre pour éliminer toute forme d'opposition. De l'avis de nombre d'observateurs, la répression des dissidents et la censure des médias s'est encore accentuée ces dernières années en Chine. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale.